Madame Issé, bonsoir. Ban titre saisonnal là, à partir le 15 janvier 2021, ban produit en plastique qui servit une seule fois. Qu'on est plus autorisé, ministère de l'Environnement lance une grande campagne d'information et sensibilisation. Pour une bonne récolte d'oignons cette année-là et pour améliorer la production dans le pays, ban planter pour bénéficier d'un nouveau scheme. Maurice Pegard sous deuxième place dans l'index 2020 ABSA Africa Financial Markets et puis améliore ce score par 4 points. Et des hors banca COVID-19 dans les mondes peut continuer à augmenter, surtout dans l'Europe, côté plusieurs pays, puis renfort aussi sous ban mesir pour contrôle pandémie là. L'année 2021 poussant plastique à partir le 15 janvier 2021, ban produit en plastique qui servit une seule fois, comme ban teke wek, ban gobelet en plastique pour ne plus autoriser. Ministre de l'Environnement fin annonce une vaste campagne sensibilisation qui peut commencer à partir d'aujourd'hui avec ban clip, pour servir aussi ban réseau social, pour sensibiliser ban mauricien, Lorraine Île Maurice sans plastique. Kendi Mangra. Tchambo, messieurs, madame. Je vois qu'on y a porté l'année prochaine dans un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Toribo, je ne pas te connais, c'est en train de dire à nous. Maurice, il peut préparer pour bannir plastique. Gouvernement, il peut envie, à travers sa initiative-là, donner un signal fort. Et Maurice, sans plastique, l'impossible. À partir du 15 janvier 2021, ban couvert en plastique, gobelet, assiette, pochette, se pointe interdit au territoire. Par contre, ban produit, comment frigorifié, emballé dans plastique, de même que ban produit embouteillé, se peut autoriser jusqu'en avril. Il est interdit 10 produits en plastique à usage unique à partir du 15 janvier 2021. Couvert en plastique, fourchette, cuillère, couteau, chopstick, ban assiette jetable, ban gobelet jetable, ban bol jetable, plateau jetable, ban paille en plastique, ban touillette à boisson qui nous appelle communément stirrer, ban container avec couverture, couverture en plastique à usage unique pour récipient. Un récipient jetable et takeaways pour consommer nourriture sur place ou à emporter. Cependant, pour l'emballage d'un produit cru, d'un produit frais et frigorifié, comme d'un fruits, viande, fruits de mer et poulet, il y a un délai additionnel de 3 mois pour interdire à partir le 15 avril 2021. C'est ce qu'ils ont fait là-dedans, là. Tout ça, ça plastique là-dedans. On va mettre un bon exemple, hein. Une campagne intensive peut débuter à Zodi, le radio et la télévision, de même que les réseaux sociaux. En 2021, chaque citoyen pour bien prend ses responsabilités. La police, l'environnement, Zot Poula, loisir pour banque qui pas respecter la loi. Un acteur concerné, Zot Avieti. Nous pouvons procéder à l'enregistrement de ban fabricants et ban importateurs au niveau du directeur de l'environnement. Et ça a fini commencer à partir le 1er octobre 2020. Ce nouveau règlement-là interdit aussi 3 nouveaux types de sacs en plastique qui étaient exemptés auparavant. Qui ça trois-là été? Ce qu'ils nous appellent tout ban sac en rouleau, ce qu'ils nous appellent ban roll-on plastique. Nous avons aussi ban pocket type plastique, ce qu'ils appellent ban petit sac plastique, et ban sac plastique qui est transporté par ban passager qui peut débarquer à l'aéroport ou qui peut arriver dans le port. La loi peut prendre effet à partir du 1er mars 2021. Et il peut interdire, là aussi pareil, la possession, l'utilisation, la vente, la distribution, l'importation, exportation et fabrication de sacs en plastique. De plus, ma autorité peut prévoir un alternatif. Le ministre BME peut travailler conjointement avec son collègue de l'environnement. Tout connaît. Quand on a une unité de production, par exemple une usine qui produit un objet pour l'exporter ou bien pour mettre sur le marché local, mais alors il y a une quantité de déchets qui restait ça, de leftovers, etc. Et ça, quand on met ensemble, il fait beaucoup ça. Donc il y a 50 entreprises, y compris une petite et moyenne entreprise,
qui finit identifié et qui peut participer dans ce projet-là. Tchiki-tchiki, tu as travaillé avec une initiative pour l'exposante, une autorité pour initier les Mauriciens à un nouveau MERS 2021, l'année sans plastique. D'après le ministère de l'agro-industrie, Pouéna, une bonne récolte d'oignons dans le pays, avec introduction variété qui appelle Francis, puis atteint une récolte d'environ 4500 tonnes, comparé à 3200 tonnes l'année dernière. Par contre, consommation annuelle dans l'île, les 18 000 tonnes. Et pour mettre en place un scheme pour qu'il y ait planté des oignons capables d'améliorer la production, le ministre Manish Gobin, tisvan ban planté la chaumière au Chamosaï. Cette année-là, il y a une bonne récolte de soyons, soit 4500 tonnes avec variété Francis. C'est une variété qui est très prisée par les planteurs, surtout de la région de la Chaumière. La récolte, c'est bon la Chaumière. Les oignons là, ils sont bons. Cette année-là, ils sont bien bons. Oui. Fanisha, pas pour les oignons là. Depuis l'année, nous prenons les oignons full là. C'est mon conseil qui m'a mis le terrain de nous, qui va nous produire, nous servir, qui vaut la peine. Vous trouvez, c'est la seule variété qui peut cultiver pour le moment. Et ben planter vraiment apprécier sa variété là et même demande les autres régions aussi. Il est assez tolérant, relativement tolérant à maladies comparé que les autres variétés, ben variété importée. Et lui-même nous stocke aussi bien. Et il y a les deux couleurs rouges qui ben consommateur content. La consommation annuelle de soyons, sa condiment très prisé à Maurice, lit 18 000 tonnes. Et le pays n'y produit que 4 500 à 5 000 tonnes. C'est pour cela que le ministère pévine avec un nouveau plan d'aide. Comme le veut la tradition, suite à une prière spéciale, nous procédons à la récolte de soyons dans la région de la Chaumière. Et ce qui est intéressant cette année-là, récolte très bon. Et on profite aussi de l'occasion pour écouter une représentation de bande membre de la coopérative. Et c'est un scheme que nous sommes capables et la TVA, le ban insecticide qui est bizarre. Deuxième, c'est un scheme pour et le drip irrigation system qui est déjà en place ici mais qui coûte assez cher. Et donc nous avons besoin de travailler sur des propositions là rapidement, étudier la possibilité de rendre le pain de terre à côté. La Chaumière qui abrite quelques 85 hectares de culture de légumes et dans une quinzaine de planteurs qui activement liés à la plantation soyons. La récolte en prévision là-bas, c'est 210 tonnes. Sa région là qui produit plus que 1150 tonnes de légumes annuellement. 8 nouveaux cas positifs COVID-19 finent enregistrés aujourd'hui dans Maurice. C'est un cas importé qui finit détecté depuis ban centre quarantaine. Tout ban passage et la vine depuis l'Inde. D'après le ministère de la Santé, tous les 8 ont la santé stable et finent transférés à l'hôpital INT. Donc actuellement, il y a 41 cas actifs dans Maurice et il y a aussi 1693 passagers qui dans ban centre quarantaine. Et fin commence faire ban premier test COVID-19 dans l'aéroport Plaisance l'Orban Passazé qui fin arrive Maurice aujourd'hui grand matin dans le laboratoire sanitaire qui fin met en place là-bas. Ministère de la Santé d'hier fin fait test les 179 passagers qui tivinent leur vol Air Mauritius depuis Paris à 11h30. Pour qu'on ban résultat, ça ban test là 5 à 6 heures de temps après ban prélèvement. Avec ce laboratoire sanitaire là, capable de tester ban passager plus rapidement. Et il y a toujours un protocole sanitaire dans l'aéroport que de faire ban l'opération désinfection. Autre chose à présent, Maurice Pégarde sous deuxième place dans l'index 2020 Absa Africa Financial Markets et puis améliore ce score par 4 points. Fin cause l'eau hier dans le lancement virtuel 4e édition AFMI. Maurice fin bien faire aussi pour adoption code de conduite taux de change global. Gouverneur de la Banque Maurice, Arvesh Sigoulam, fin cause l'eau détermination Maurice pour approfondir et élargir ban marché financier. Rochana Samala. Africa is a continent open to possibility. Plusieurs organisations fin participent dans le lancement virtuel 4e édition ABSA Africa Financial Markets Index. C'est une organisation comme Official Monetary and Financial Institutions Forum, la Banque de Maurice, Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale.
Avec un score 79, Maurice Fingold se place derrière l'Afrique du Sud qui fin totalise 90 unités. Sa résultat là, il y a cause ban développement positif qui fin fait dans le secteur financier, notamment l'engagement pour respecter code global bonne conduite lo ban moche échange, lancement une plateforme électronique pour ban paiement pour la banque de Maurice ou encore l'amendement ban conditions transactionnelles pour la bourse Maurice. Grâce à ça, Maurice fin progresse par 4 points et clé devant ban pays comme en Nigérie, Ghana, Zambie, les IP ou encore Seychelles. There are three fundamental pillars that are being developed at the same pace. Et a trois piliers fondamentaux qui besoin développer en même temps. Premier, besoin développer l'infrastructure qui pour soutenir un marché financier résilient. Deuxième, ça me qui plus important, ban cadre réglementaire, légal, commercial, fiscal qui accompagne sa ban développement là. Troisième axe là, lui aussi important, c'est accès au marché. Parmi les points en faveur Maurice, ce fort potentiel en matière d'investissement et qu'un environnement fiscal bien attirant, surtout dans une juridiction financière bien structurée. L'urban réseau social a bonne victime, discrimination ou agression fait atteindre Zout la voix. Campagne hashtag MeToo peut aussi prendre l'ampleur dans Maurice avec beaucoup d'immune qui finent connecter Zout leur plateforme Instagram hashtag MeToo MRU. Et l'équipe MBC finit interroge plaisir d'immune leur libération la parole qui pas autorise diffamation. Dans Maurice, c'est la loi pour qui ban victime abus gain justice. C'est un reportage, c'est Zad Dumon. Dénonce violence sexuelle sous toute son forme, c'est le droit de tout individu. Depuis quelques semaines déjà à Maurice, avec campagne MeToo, beaucoup d'immune de tout ban âge et de tout ban domaine, y compris le journalisme et même les sports, fin révèle ce calvaire aux ban réseaux sociaux. Sous sa forme anonyme là, qui libère la parole, ce te raconte ban avance insistante, ban attouchement, ban tentative d'embrasser, ban mots grossiers, ban pression, ban regard, ban geste, ban insulte et même ban agression qui se te fin subir. Près d'une centaine de posts déjà visibles sur Instagram. Il y a une bonne façon pour dénoncer, il y a une bonne façon pour dire assez, enough is enough. Mais seulement, il faut les toutes bonnes affaires faire dans un cadre. Bien comprendre les affaires. Quand on peut dire MeToo, on trouve sur Instagram, il y a quand même pas mal de gens qui viennent de l'avant. Il ne faut pas lire cette frustration que nous peut dire, il est bon nous causer, mais nous avons besoin d'un encadrement, de manière qui nous peut causer. Selon Maître Assad Pirou, si les réseaux sociaux sont un moyen de faire émerger la parole, bien néanmoins faire attention pour qu'ils ne pas transforment eux en ban tribunaux populaires. Ban citoyen qui est ban genuine caisseuse pour rapporter, eux partagent les réseaux sociaux, il a ban risque qu'ils se prennent. Donc si un dimoun qui est ban preuve contre ban individu qui fait attouchement ou harcèlement contre eux, moi je conseille eux de prendre courage, guette un homme de loi, guette ban proche, téléphone la police, prends un rendez-vous, al rapport de sa ban cas là. Faut pas nous garder quelque chose à l'intérieur pour arriver à un moment où nous peut exploser. La police peut faire un appel à ban victime pour venir de l'avant si eux souhaitent justice, car la violence, sous toute sa ban forme, lie un délit punissable. Il y a plusieurs ban cas que il y a ban madame qui est victime de ban cas d'harcèlement, surtout ban harcèlement sexuel. Et très souvent, aux autres se retrouvent, aux autres coincés, vous n'êtes pas capable à le dénoncer. Et de ce fait, l'harceleur, celui qui peut commettre sa ban cas d'harcèlement là, il gagne l'emprise de sa ban type de victime là. Et vous êtes continue, persécute vos autres victimes et qui sujet à beaucoup de traumatismes. Nous invitons ban dimoun ban victime pour venir dénoncer tout cas de harcèlement pour que la police soit capable d'initier ban l'enquête. Nous terminons avec une petite réflexion. Quand un dimoun dit non, ça veut dire non à bon entendeur. Nous cause les temps avec chaleur qui peut augmenter ces derniers temps-là. C'est à cause nous dans une période de transition l'hiver-l'été. Octobre, c'est un mois sec côté n'a moins la pluie. À cause ça, fait un peu plus chaud. La prestation météo va quoi? L'été pas pour commencer avant les 1er novembre. Jenny Yalapa. Ensoleillé en général au courant de la journée, les temps tibou à travers l'île. À l'eau qui nous peut finir en été, pas de forte chaleur peut ressentir à travers l'île. D'après station météorologique de Vakwa, sa chaleur-là est due à une transition de l'hiver à l'été. Et normalement, comme il y a moins de la pluie dans le mois d'octobre, ça peut entraîner une hausse de température.
Je veux dire que déjà nous en transition et pour l'été, bien sûr, à partir de maintenant, là, nous avons la température c'est pour continuer à monter. Et normalement, si nous quittons la climatologie, c'est vers la mi-décembre, janvier, quand il fait plus chaud pendant l'année. Et nous ressentons vraiment avec le faute d'humidité, tout ça, nous plus sentir sa chaleur là. Il est important qu'il nous note que l'été et que période cyclonique peut débuter à partir 1er novembre. Comme on connaît, aujourd'hui 15 octobre, c'est date limite pour avoir et payer income tax online à Mauritius Revenue Authority. À 15h30, aujourd'hui après-midi, MRA finit de recevoir 181 000 formulaires taxes. Ban comptoir MRA dans RM Court et dans pour lui pourrait s'ouvrir exceptionnellement aujourd'hui tantôt jusqu'à 20h et toujours aujourd'hui tantôt MRA Help Desk pour opérationnel jusqu'à 21h, lors 207 6000. Si vous avez un formulaire taxe en retard, pour une pénalité de 2000 roupies par mois et pour un paiement taxe en retard, vous risquez une pénalité de 5%. Cellule MV Wakashio Assistance and Support fin réunit ban pêcheurs région sud-est dans centre jeunesse Pointe Jérôme Zordi. D'après président sa comité là, Charles Cartier, ban pêcheurs qui pénaka pêcheurs pour gagner aussi allocation 10 100 roupies. Ban cas qui en suspens pour régler bien vite, l'idir. En attendant, ouverture à la pêche dans la région, MITD fin travail loin de programme formation. Kevin Tapessa. Ban pirogue qui a marré l'eau littorale sud-est peut témoigne de l'arrêt de la pêche dans la région après naufrage MV Wakashio les 25 juillet dernier. Ban pêcheur de la région t'y convié à une réunion interactive pour MV Wakashio Assistance and Support Cell dans Pointe Jérôme Youth Training Center. Zotfin exprime Zot face à président cellule Charles Cartier, président National Inclusiveness Foundation Menon Mounia et que membre conseil d'administration sa fondation là, Sarah Rawat Karimji. Il y a une réunion avec M. Cartier et finalement, après une dizaine de jours, il y a eu des mois là. Parmi ban pêcheurs présents, tiennent ceux qui disposent des autres cordes de pêche et les autres qui paient atteindre d'être régularisés. Sur les 300 pêcheurs non régularisés, 10 une dizaine paient atteindre recevoir allocation mensuelle 10 100 roupies. En attendant l'ouverture de la pêche dans sa région-là, MV Wakashio Assistance and Support Self met en place un programme formation à l'intention ban pêcheurs. Les pour dispenser par MITD l'ONPIE dès à 4 mois. Man pêcheur, j'ai envie d'accéder à la mer rapidement. J'ai envie de comprendre qui compensation je peux gagner à la suite de sa catastrophe-là. Mais bon, besoin de dire aussi qu'il y a un grand groupe ban pêcheurs qui partiennent en Côte, qui remercient nous parce qu'ils partiennent à la WENS. Là, je commence à gagner à la WENS. Ban de Léance, ban pêcheur, pour figure dans un rapport qui pour présenter à Premier ministre, c'est ce qui Charles Cartier fin souligné, un programme formation l'Oban métier la pêche pour bientôt introduit. Ban nouvelle déo, ban cas COVID-19 dans le monde peut continuer à augmenter. Plusieurs pays peut renforcer les ban mesures pour contrôler sa pandémie-là. À partir de samedi, prenant ban mesures encore plus strictes dans plusieurs régions dans l'Angleterre. Dans la France, peut imposer un couvre-feu à soir à partir de samedi. Aussi ban fête privée comme ban mariage dans la salle publique pour interdit partout dans la France. Avec augmentation ban cas COVID-19, ban pays européens fin renforcer zot ban mesures protection. Dans la France, dans plusieurs grandes villes comme Paris, soit presque 20 millions d'habitants, pour un couvre-feu nocturne à partir samedi 21h jusqu'à 6h matin, ban restaurant, bar, théâtre et cinéma pour bien fermer. Président français Emmanuel Macron fin dire bien réagir face à COVID-19 parce que situation li préoccupante avec deuxième vague contamination qui fin arriver. Dans l'Allemagne aussi, situation li préoccupant. D'après ban nouveau information officielle qui fin publiée aujourd'hui, pays là in comptabilise plus que 6 600 nouveaux cas coronavirus en 24 heures. Un record pour sa pays là. Gouvernement fin prend ban nouveaux restrictions dans 16 États régionales. La Chine fin recense 11 nouveaux cas confirmés contamination coronavirus aujourd'hui. C'est 10 cas importés et un cas contamination locale dans la ville Qingdao. Dans Corée du Sud, pour faire ban test à grande échelle contre coronavirus, 160 000 employés Séoul sont concernés. Ban test qui peut démarrer la semaine prochaine après que 50 des immunes fin testé positif dans une maison de repos dans Busan.
La Russie fin approuve un deuxième vaccin contre coronavirus. C'est président Vladimir Poutine qui fin annonce ça hier. Une centaine volontaires peut participer à un essai clinique. Pays là, depuis plusieurs semaines, peut faire face à une importante augmentation de l'épidémie avec plus de 14 000 nouveaux cas en 24 heures. Les présidentielles américaines Donald Trump et Joe Biden pour affronter eux aujourd'hui la télévision, leur chaîne différente. Donald Trump poussé et convaincre ban électeurs dans Miami et Joe Biden ce côté pour dans Philadelphie. Tous les deux adversaires qui supposaient participent dans un deuxième débat aujourd'hui, mais ça rendez-vous-là fin annulé parce que le président américain fin refuse participe dans un débat virtuel proposé par commission organisatrice. Les Nouvelles Stella, bonne nouvelle, les temps de Maurice. Situation en général, nos régions pérennes sous l'influence d'une dorsale haute pression et il y a une courant d'air léger et chaud dans nos pays. Prévision, les temps pour bons ordis en général et demain grand matin, température minimale pour voyer entre 17 et 19 degrés au plateau central et entre 21 et 23 degrés sur la côte. Pour un soleil partout dans le pays demain pendant la journée. Température maximale pour plus qu'une moyenne avec par 2 à 3 degrés, pour voyer entre 24 et 26 degrés l'urban hauteur et entre 28 et 32 degrés l'on littoral. 10 vents pour léger variable pendant la nuit et pour souffler des l'est à 15 km/h demain. La mer pour mauvais en dehors récif avec bonne vague 1 mètre hauteur, la 1 50 hauteur. La marée pour haute demain à minuit 6 et 12h30. L'ipouba demain à 6h21 et demain soleil pour lever à 5h38 et l'ipoil coucher à 18h13. Et voilà, nos journaux finissent ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. L'Oban Chen MBC.